De crise qu'on vient d'avoir, c'est que présentement notre belle petite maison où ce qu'on est, Oli s'est fait retourner de bord tantôt. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que c'est notre maison. Première des choses qu'on va faire par contre, c'est qu'on va aller vérifier toute la gang en même temps. On va prendre notre temps, on va arrêter à peu près à Sandy Shore pour regarder avec les jumelles. Oli, il y a des jumelles, on va regarder de l'autre côté s'il n'y a pas de la présence. Si on voit qu'il n'y a pas grande présence ou pas de présence, on y va. Bien sûr, on est tout armé, c'est pas pour rien. C'est sûr et certain que si ça appartient à des oranges ou peu importe à qui que ça appartient cet endroit-là, on va négocier la chose puis on va pas le privatiser parce que c'est sûr et certain qu'on y arrivera pas puis je veux pas qu'on commence à faire de la merde pour que notre tête tombe. Mais si on s'en va là-bas, c'est parce qu'il peut y avoir quelque chose qui se pogne et qui va se passer. Par contre, personne tire directement la parole avant le fight. Si ça commence déjà à nous gonner, à ce moment-là, on le sort puis on commence à gonner. Fait qu'on y va, on part, puis convoi. J'ouvre le convoi, j'ai le spot d'observation. Excellent. La file va la mer à gauche. Merci. Ok, j'ai une idée. J'ai une autre idée. Il va falloir qu'un de nous autres, vu qu'on est à 5 véhicules, pogne un bateau puis qu'il arrive par le quai si jamais ça va mal pour nous. Tu veux-tu qu'il t'amène un peu plus proche en bateau, Jimmy? Avec le bateau, tu pourrais voir une meilleure angle. Jimmy, pogne le bateau qui est à côté ici. Amène Oli un petit peu plus proche sans être trop proche pour qu'il voit avec ses jumelles. Okay. Il n'y a aucun véhicule? De mon visuel, il n'y avait aucun véhicule. Hey, good, parfait. Ok. Non, on va y aller en véhicule. C'est juste Jimmy qui va partir en bateau, puis on va lui donner le signal quand elle débarquait sur le quai. Good. Nous, on décolle. Tu peux te rapprocher un petit peu avec le bateau sans trop te rapprocher non plus. Tu peux y aller. Emmène-toi avec ton bateau. On est sur place. Je vais fouiller en haut, moi. Good, je fouille le contour en arrière où ce qui va être notre QGQG. Oubliez pas de... Tu as trouvé? Bien, je suis pas sûr, mais d'après moi, oui. J'arrive. Yep, y'a une laveuse. Oh my god, attardez. Asti, c'était pas là ça y a pas longtemps. C'était pas là la semaine passée, en tout cas. Je donne des... sur le toit de la grange, j'en ai... Parfait. C'est moi qui arrive, les lumières fermées. Ok, ça va. 400 mètres, je lui donne pas. J'attends de t'attendre que t'arrives. Ok, Andy Max est resté dans la place du blanchiment, puis nous on reste à l'entrée. On va aller faire ça. Ok, y'a des gens qui arrivent, Plusieurs. Deux véhicules. Trois véhicules. Wow, baisse l'arme, Lève tes mains, on va déjaser, je pense. On va jaser, puis c'est exactement ça que je voulais. Pas long, mon YG, il a de la récupérer avec un de tes boys en arrière. Yep, il est équipé. On peut rentrer dedans si tu veux. On peut rentrer dedans, on va y aller. On peut rentrer dedans, effectivement. Moi j'ai... On revient dedans avec le nôtre. J'ai pas de problème. Là, moi je veux juste savoir pourquoi j'ai encore 3 guns après moi quand j'ai été assez fin pour baisser mon arme puis le ranger. Donc j'aimerais au moins qu'il y ait une personne qui baisse son gun. Merci. Non, gros, c'est moi qui fais les règles, c'est chez nous. C'est chez toi depuis quand? Non, pas toi, c'est que y'en a un qui l'a baissé, c'est juste correct. Je veux savoir si c'est chez vous depuis quand? Ouais, c'est chez vous depuis quand, là? Ça fait 2 mois qu'on travaille pour le groupe qui l'avait, puis maintenant c'est nous qui contrôle. Moi je cherche pas la merde, au contraire, là. Je cherche juste à garder mon petit territoire, pis c'est tout. C'est pas ton avantage à tout de rester proche du site, parce que, mec, la police pull up comme les 8 dernières palettes. Vraiment, c'est tout qui va prendre prison à vie pour plein de belles charges. Fait que t'as envie de me dire que c'est préférable de déménager, trouver une autre place, c'est ça? Je dirais pas comment faire ta business, gros, mais moi ce que je te propose, c'est
faire un œuf sur un autre bâtisse, parce que quand ça brosse vite, ça brosse en tabarnak. Pis ça brosse à cause de ça qui vient tout juste d'être déposé là il y a pas longtemps, c'est ça? Ouais, pis ça a brossé sur les 8 dernières palettes, pis ça risque de rebrosser ici aussitôt qu'il y a des petits cons qui vont nous faire chier. Ça c'est vraiment drôle ça. C'est quand même bizarre ça. Ça c'est bizarre. Pis je vous garantis que c'est pas à cause de nous. Je vous garantis que c'est pas dans notre intérêt autant que dans le vôtre qu'on a fait ça. Ok, j'ai une confirmation, c'est un MS qui s'en vient. Good. Stuff, on va parler. Là, il est vraiment bien aujourd'hui, même si le mot d'ordre c'était qu'on vidait tout le monde qui avait pas accès ici. J'ai décidé de prendre l'aisance de pas tout te prendre puis de te laisser une chance. Maintenant, vous allez vous présenter et savoir vous êtes qui. Excellent. On est les Hugh Blender. Fait qu'une petite mafia en ville. Ok, c'est bon. Puis vous autres, vous restez dans le coin? Yes, on est ici depuis 2-3 mois. C'est bon. Puis vous êtes combien? On est 7. Ok, c'est qui le boss? C'est moi. Ok, puis lui, c'est ton bras droit, quoi? Pas du tout. T'as-tu un bras droit ou? Oui. Il est-tu ici? Des montagnes. C'est bon. Fait que là, les gars, vous allez prendre le numéro du gars qui est en arrière. Excellent. Puis je vais prendre votre numéro aussi. Y'a pas de problème. Bon, Martin. Yep. Vous allez prendre vos clics, vous allez décollisser, puis on va se reparler plus tard à soir. Y'a pas de problème. On va pouvoir bouger, se ranger vos armes. Avance encore. Bonsoir. Parquez vos whips, puis vous me suivrez après. À pied, parfait. Parfait. Je me suis. Yo! Bonsoir. Bon, on se retrouve. Ouais, dans des meilleures circonstances. Et avant qu'on commence à peut-être négocier ou quoi que ce soit, on voulait juste vous dire que cet endroit-là, on peut toujours pogner nos valises pour une coupe de temps. Bon, fait que je vais te mettre au parfum un peu comment ça marche. Le monde, ils partent tous au même taux, 50%. Dernière chose. Ouais. Je sais pas si tous tes gars, ils sont là. Là, tantôt, j'ai pris 50 000 sur ton gars, puis je te laissais le reste. Juste te donner une petite idée, là, les gars derrière moi, ils étaient tous surpris que j'avais fait ça, gros. Puis j'ai fait ça par bonne foi parce qu'on s'était jamais vu encore. C'est pas visé à vous, là. Ça, c'est... J'ai passé le même message à tout le monde. Si on vous pogne encore sa palette, je te strip jusqu'à la dernière facture, gros. Y'a pas de stress. Comme ça, les points sur les i sont mis, et les barres sur les t aussi. Puis mes gars ont bien entendu aussi. Perfect. Oui, allô? Allô? Ça va? Bien, toi? J'étais avec un client en train de travailler au mécano, là. Fait que 5 doses pour la facture? Yes. Excellent, tout est beau. Hey, merci bien. Ben, fait plaisir. T'as un braquage, je te tentais-tu? Un petit braquage vite fait de DEP parce que j'ai une petite réunion à 6h30, ça te va? Ouais, à l'image. Ok, parfait, on va faire ça dans ce cas-là. Fait que tu vas-tu venir me chercher au mécano? Ouais, je suis à côté, j'arrive. C'est toi? Yes. Good, j'embarque et je vais... T'avais besoin de quelque chose? Nope. Ok. Parfait. Ça part. T'as volé une petite voiture? Yes, tu m'as écrit, j'ai plus de char. Esti. Putain, j'ai quitté la radio. On s'en va se faire ça? Hop. Parfait. Oh, avec un gun en plus. Ah ouais, dans le char. Ah ouais, dans le char. T'es sérieux? Ah, retourne dans le char. Retourne dans le char. Attends, je vais juste ranger ma batte. T'es sérieux? Retourne dans le char. T'es sérieux? Baisse les mains. Je les ai baissés. Mais on est où là? Est-ce que je vais te demander? Hein? Ouais. Si tu m'as donné le numéro de ton. D'un de tes bras droits ou peu importe. Je peux sortir mon téléphone pour te le donner? Ouais, vas-y, ok. Je te le. Voilà. Et qui c'est quoi son nom? Il s'appelle Oli. Je leur donne mon sel, tiens. Allô Oli? Je parle bien à Oli? Je tiens ton OG ou je sais pas trop quoi en otage. Mais non, je peux pas te le donner en échange de 100 000. Ça va être mieux de disparaître, je te le conseille. Parce que. Non. Il y aura pas juste moi qui va te chercher. Les autres avec qui je suis, puis surtout la personne que t'as appelée, elle laissera pas passer ça. Puis je pourrais pas le retenir. Ah là, bon. T'es sûr de ça? Non, rien. Je l'ai dit. La mère me fait pas peur en ce moment. T'es mieux de pas avoir peur de ça parce que. Si tu me fais mal, d'une quelconque façon, je donne vraiment pas cher de ta peau. Y'en a un qui s'en vient. Je te demanderai d'enlever ton masque. Ah ouais? Tu
je peux enlever ton masque. Merci. Comment c'est beaucoup demandé, là? Ouais, j'ai l'argent. Si tu veux, ton OG, ou je sais pas comment vous l'appelez, en vie, t'es mieux de m'écouter. Je l'ai pas sur moi, dans mon char, fait que... Je peux conseiller d'aller la chercher dessus. Ah, okay, ouais, sauf que là, tu sais ce que t'es en train de faire, là? Je sais totalement ce que je t'en fais. Ah, ok, ouais. Puis là, comment dire que j'ai eu un coup d'avance sur toi, là? T'es visé par plusieurs personnes, là, fait que tu vas me ranger ton arme. Mais je te le garantis, mon gars, qu'ils sont là, là. Écoute, moi, je vais pas croire de quelque chose que je vois pas. Ah bah ok, si tu veux, je te le fais sortir. Ah, vas-y. Ah, c'est bon, sort. Amène-toi, là. C'est risqué comme ça, une, par contre. Yes. Fait que là, à cette heure, c'est mes conditions. Je fais ce que je veux de toi. Ah, dis-moi pas qu'il y a juste Hugo. C'est triste. On était censé avoir 4 gars qui soient là. Bon, parfait. T'as attaché Martin, non? Tu vas le détacher non, tout de suite. Non, il est pas attaché. Ah, oh ben Martin, lève-toi, oui. Je suis pas un monstre non plus. Là, je niaise pas avec les cons, là. Enlève-toi. Ça me fait chier parce qu'on était censé être 6 à 5, puis on vient tout juste de m'écrire aujourd'hui qu'il y avait personne qui allait venir. Ça me frustre. Ça a même pas aidé. Vous avez même pas aidé pour moi. En plus, tu pars avec moi, certain. Allez, Biglou, ramasse-le sur ton dos. Martin embarque dans le char, on va prendre le tien, là, je m'en prie. Je te l'avais dit, Ace. Quand tu as pointé l'arme, t'aurais pu tout changer. Ace, tu sais qu'est-ce qui t'attend? Parce que moi, je te dirais que je sais pas qu'est-ce qui t'attend. Oh, je m'en doute un peu. Hey, tout le monde débarque. Mais là, ici, là, dans l'eau, là, je m'en crise de ses pattes, là. À genoux, j'ai dit. Fait que là... Hey, tu sais que... Comment dire? Tu vas me dire... Prendre le boss, la haute tête d'un cartel, tu pensais-tu vraiment que c'était la bonne idée? Comme je te dis, hein. J'ai les mêmes ceux qui sont proches de moi. Où je les éloigne de moi le plus. Donc là, tu vas me dire tout de suite qui t'a amené à faire ça. Parce que j'y crois pas trop à tes astuces d'histoire. Il s'appelle Beer. Ah, ok, qui C'est Beer qu'on a été parlé. Non. Je sais, ouais, je sais ça. Il t'a menacé, il t'a tout volé, explique-le. Ah, oui, je veux des infos, moi, sinon c'est une bête de baseball. On avait commencé un cartel ensemble, mais qui était là. Ok. Il m'a volé littéralement au-dessus de 50 000 points. Tu serais prêt à gager les doigts de la main, là, c'est ça? Je vais te dégager. On commence par le petit doigt? Ouais, non. Elle pousse. Oh, non. Ça crie pas fort, ça a de l'air habitué. Ouais, prête de main, hostie. Fait que là, c'est quoi la vie? Je viens de te dire la plupart des AGP. 100 000. C'était pour toi ou pour Beer, là? C'était totalement pour moi. Ok. Puis, je voulais juste savoir une question à propos de Beer, justement, vu que t'en parles. Parce que lui nous a dit comme quoi que t'allais parler à d'autres gangs, d'autres ci pis d'autres ça, comme quoi que tu l'as trahi pis tout. C'est-tu vrai ce que t'as dit? Ce qu'il a dit? J'ai aucune m'a trahi. Je suis allé parler en fer avec les brokers pis c'est tout. Le fait que t'ailles parler aux brokers, ça fait en sorte comme quoi qu'ils ont voulu tout te faire ça, c'est ça? Les brokers ont dit que j'avais fait passer le cartel pour une gang de cartes. Bon, fait que là, Ace, j'espère que c'est assez clair pour toi, là. Ta route à sa chef de tête là, ici, là. T'as-tu un dernier... Tu pas une journée de plus, ici, là. T'as-tu un dernier mot à faire passer? Que peut-être je pourrais faire passer sur ta tombe? Dis à ma bestie pis à ma mère que je les aime. Ok. Allez, boys, allez retourner dans le shop pour qu'on voit partir. Oui? T'as un dernier mot à me dire? C'était rien contre toi. C'était rien contre toi. Ouais, malheureusement, moi, je peux pas me faire pogner de même. Sinon, ça va mal pour les personnes. Adieu. Adieu. On joue pas au con avec nous autres, man. Hugo, Ali, aucun mot de ce qui s'est passé. Non.
Ah non, juste pour te suivre. Il était seul. Même pour les autres membres du gang, là, c'est assez clair, les boys. Il m'a dit qu'il avait trahi du monde aussi en plus. J'étais pas le seul. When I go, don't cry for me. In my father's arms I'll be. The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be whole. Sun and moon will be replaced with the light of Jesus' face. And I will not be ashamed, for my Savior knows my name. It don't matter.